Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis. Vous me voyez pas, hein? Oh, c'est un peu fort. J'aime bien le viseur de base. Surtout si tu joues sur une map comme Rust, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un gros viseur, mais je pense que je vais prendre ça, j'aime bien. Dans les canons, donc on a celui qui est un petit peu canon SMG, donc pour avoir plus de mobilité, etc. Mais ça va être vraiment pour le rush, quoi. T'as déjà la poignée qui est inclue. On peut tester, ça peut être intéressant. Ouais, ma couille. Allez, on va aller tester la nouvelle arme, la grosse 5.56. J'ai pas encore débloqué l'UMP45 ou le Striker 45, je crois que c'est ça. Mais du coup, on va tester cette petite configuration avec le camouflage en or que je viens de débloquer. Un peu relou sur les tirs de loin. On a souffert, on a pris notre mal en patience et on y est arrivé. Alors, je suis pas sûr exactement de quelle configuration utiliser pour l'arme. Mais bon, je pense qu'on va se faire des petites games avec, histoire de bien trouver la bonne petite classe. Là, j'ai un petit canon léger, histoire de viser un peu plus vite. Et je pense d'avoir une petite session un peu genre en mode... un petit peu SMG. What? What? J'ai mon son qui s'est coupé d'un coup, j'ai pas compris. Oh d'accord. Ah le petit respawn gagnant. Bah écoute, cette classe est plutôt bien, l'arme a l'air stable. Elle vise vite, elle est stable, elle est bien. Ah ouais, toi je t'ai vu au loin. Ah, par contre, les respawns. Font mal aux yeux. Ah, ouais, d'accord. Bah écoute, jusqu'ici ça va. Ah putain, c'était un... Ah ouais. Ah, je peux même pas mettre le mien, quoi. D'accord, ok. Petit carnage plutôt sympa avec la petite couette vide en plus. Bah elle va bien cette petite couette de... Cette petite classe, elle va bien, non? Ouais, c'était une 5 OS split, ouais, exact. Oh, nique-toi, putain. Et le mec il s'est tué avec en plus. Ah ouais. Franchement, elle est bien la petite classe là, je trouve. On a une arme qui vise vite avec des bons petits déplacements. Une bonne stabilité. Putain, le mec, plutôt de lancer.
Regarde-moi ça, ces deux enfoirés là. Putain. Ça passe son temps à camper, c'est horrible. Oh, elle est vraiment bien cette arme. Franchement, elle est vraiment bien. Elle fait son travail, hein, y a rien à dire. En plus, j'aime bien, c'est que elle est vachement stable de loin, quoi. Toi, là, j'ai mis le petit canon court pour viser plus vite, mais avec la crosse pour avoir la stabilité. Du coup, bah, je vise vite et je suis stable. Vous en pensez quoi de la classe là? Vous pensez qu'elle peut être mieux ou elle est quand même pas mal? Bah, surtout j'aime bien le bruit quoi. Ah dommage. Pas mal, elle envoie du rêve, nickel, très bien. Pas mal, ok. Manque de dégâts, ouais bon l'arme en général elle manque un petit peu de dégâts mais je veux dire elle est super stable, elle a une bonne cadence, en vrai elle fait mal. Hein. Je mettrai un vis de réflexe. Oh bah sur cette map-là c'est pas nécessaire je trouve. Hein. Regarde, la mire elle est vraiment pas gênante. Hein. Y a des mires qui sont beaucoup plus envahissantes sur l'écran. Là tu vois, je trouve que la mire elle passe vraiment bien. Oh là 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 là, avec son couteau lui il fait mal. Hein. Ah non, mais le mec il gère bien au couteau. J'aimerais bien quand même débloquer la C-130. Je sais pas si on a le temps ou pas. On peut essayer. Moi je trouve que le time to kill il est plutôt vénère à certains moments. Ah putain. Ah dommage.
Encore avec son couteau de lancer, hein. Encore avec son couteau de lancer, hein. Ah, il était derrière. Ah, dommage. Non, mais il gère, hein, je sais pas, il y a un défi sûrement ou un truc, mais il est pas manchot le type, hein. Il est bon, hein. 72 frags. Et bah voilà. Avec la petite gros en or, 72 frags. Il y a eu quand même une 50 screen avec la petite quad feed. Je pense que ça va être en kill cam. Normalement. Non, c'est même pas cette action là. What? C'est ça, play of the game? Ça pue la merde, ça. What? C'est comment il met ça alors que j'ai fait une quad feed, quoi? Je comprends pas.